Bonjour à tous et bienvenue dans la maison 125. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film très particulier, Ouija. Ce film est inspiré d'un jeu de société du nom de Ouija. Il consiste à communiquer avec des esprits en posant ses doigts sur un petit objet qui doit ensuite bouger tout seul sur des lettres. Grâce à ce principe, on obtient les réponses aux questions qu'on pose aux esprits. Dans le film, c'est un jeune qui a découvert ce jeu, mais malheureusement, dès qu'elle a commencé une partie avec ses amis, des événements étranges sont apparus, car sans le vouloir, ils ont communiqué avec un démon pour qu'il puisse s'échapper. Ils doivent faire face à deux esprits maléfiques et les renvoyer chez eux. J'ai malheureusement pas vu le film, donc je vais vous citer une critique positive et une négative, trouvée sur le site allociné.fr. Une critique de chez Fifil D nous dit: beau film, quel scénario bien trouvé, une ambiance pesante tout au long du film. Tandis que Edgar L. nous dit: un des films d'horreur les plus loupés qu'il m'a été donné de voir. Casting fade, scénario prévisible et mise en scène possible. Tous les éléments sont réunis pour nous faire passer un mauvais moment. A vous donc de décider si ce film vous tente d'après ces deux avis. Et voilà, c'était la maison sanglante et je vous dis à la prochaine. Salut!